Le 28 décembre 1895, les Frères Lumière organisent la première séance de cinéma publique et payante, boulevard des Capucines à Paris. Cette première projection rassemble seulement 33 spectateurs, mais grâce au bouche à oreille, les séances se multiplient et les spectateurs affluent. Le 30 décembre 1895, un journaliste qui vient d'assister à une séance publie un article dans le journal La Poste d'où est tirée cette citation. Lorsque ces appareils seront livrés au public, lorsque tous pourront photographier les êtres qui leur sont chers, non plus dans leur forme immobile, mais dans leurs mouvements, dans leurs actions, dans leurs gestes familiers, avec la parole au bout des lèvres, la mort cessera d'être absolue, et l'histoire quotidienne, nos allures, nos mœurs, passeront à la postérité avec l'exactitude de la vie. La formulation diffère un peu selon les sources, mais une idée reste. La mort cessera d'être absolue. C'est peut-être un peu flou pour l'instant, surtout ramené en 1895 au balbutiement du cinéma, mais cette idée énoncée dans un article d'il y a plus d'un siècle, c'est un problème particulièrement actuel. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, reprenons, ça va prendre sens. L'art a toujours été un moyen de figer le temps, de se souvenir d'ancêtres. On peut déjà remonter jusqu'à l'Antiquité, dans la Rome antique, où il était courant de couler les visages des défunts dans la cire pour reproduire la forme de leur visage. On appellera ça plus tard des masques mortuaires. Presque aussi loin que l'humanité existe, l'homme a voulu traverser les siècles et garder un souvenir de ses morts. C'est bien aussi ce dont on parle quand un roi commande son portrait à un peintre de la Renaissance. L'idée est autant d'asseoir sa puissance par la peinture que de laisser aux générations futures une trace de son règne. Mais alors, qu'est-ce que la photo et la vidéo ont de différent par rapport à la peinture ou à la sculpture? Je vois deux particularités. La première, c'est que la photographie est capable de proposer une représentation quasi exacte de ce qui se trouve devant l'objectif. Alors oui, il y a des artistes qui peignent ou qui dessinent la réalité à l'exact. Mais on en vient là à la deuxième grande particularité de la photographie et de la vidéo, sa facilité d'accès à tous. Si on peut reproduire en peinture quasiment à l'exact la réalité, ça demande une technique et un travail considérable. Tout le monde ne peut pas le faire, et tout le monde ne peut pas payer un peintre pour lui dessiner un portrait hyper réaliste. A l'inverse, et c'est de plus en plus vrai au fil du temps, la photographie et la vidéo sont accessibles avec un matériel peu coûteux et facilement utilisable. Mais alors comment rapproche-t-on la mort à la photo et à la vidéo? Reprenons déjà les bases. Photographier, c'est imprimer sur une surface sensible à la lumière une image de ce qui se trouve devant l'objectif. Et la vidéo, elle, permet de mettre en mouvement ces images. Ce qui s'imprime sur la photo, c'est un moment, une image, une seconde, déjà passée, qui n'est plus. Parfois passé de seulement quelques secondes quand le Polaroid sort de l'appareil, ou de plusieurs minutes quand le temps de pose est long, comme au début de la photographie. La photographie, comme la vidéo, c'est une représentation du passé, qu'elle date de quelques secondes ou de quelques années. Mais le plus troublant, c'est bien quand la photo est tellement datée qu'en plus de témoigner d'un instant passé, elle reproduit l'image d'un proche disparu. On a alors cette sensation étrange, de le voir sur une photo comme s'il était réel alors qu'il n'est plus, depuis parfois bien longtemps. À la fin du 19e siècle, il était courant que les familles en deuil commandent des photographes pour faire une dernière photo de famille avec un proche fraîchement défunt, comme s'il était encore vivant. Au-delà du jugement de valeur qu'on pourrait avoir sur cette pratique, ça restait simplement pour la famille un moyen de garder une image d'un proche disparu. Surtout qu'à l'époque, la photographie était chère et rare, et c'était souvent l'unique photo que les familles avaient du défunt. Ce type de photo était souvent un bien très précieux pour les familles, parce que même si le défunt n'était plus vraiment là, il restait toujours sur la photo, encore quelque part, dans cette bulle de passé. C'était simplement un moyen de garder le souvenir d'un visage, de l'histoire d'une famille.
Si c'était déjà vrai au début de la photographie, ça l'est d'autant plus avec le film. Si avec la photo on pouvait déjà immortaliser le physique, le visage, quelques expressions, le cinéma peut lui immortaliser tous les petits détails qui font de quelqu'un ce qu'il est. Son allure, ses mimiques, sa gestuelle, ses habitudes. C'est maintenant que cette citation de 1895 prend tout son sens. Lorsque tous pourront photographier les êtres qui leur sont chers, non plus dans leur forme immobile, mais dans leurs mouvements, dans leurs actions, dans leurs gestes familiers, avec la parole au bout des lèvres, la mort cessera d'être absolue. Et si déjà ce journaliste le pressentait il y a plus d'un siècle, quand l'image était encore imprécise, le mouvement flou et les séquences courtes, c'est de plus en plus vrai avec le temps. Dès les années 1930, la sonorisation arrive au cinéma, un pas de plus en avant vers le réalisme. Quelques années plus tard, c'est la couleur qui révolutionne le cinéma. Plus le temps passe, plus les techniques s'améliorent, plus l'image est précise, plus la couleur est fidèle, plus le son est clair et plus la technique est accessible. Dans les années 70, l'appareil photo est devenu plus léger, portable et moins cher, et la photographie devient amateur. Plus tard, c'est le caméscope qui lance une nouvelle révolution. L'image est de plus en plus claire, on reconnaît de mieux en mieux quelqu'un, et la photographie comme la vidéo se popularise. Rares sont les personnes à vivre sans appareil photo ou smartphone de nos jours. D'ailleurs, quelle famille n'a pas dans ses placards un album photo qui conserve précieusement les moments importants de son histoire ? De même, ce n'est pas un hasard si voir une photo d'une personne décédée nous fait tant monter les larmes aux yeux, s'il arrive qu'on rappelle en boucle un répondeur pour entendre une voix, si supprimer les photos de son couple après une rupture fait partie des étapes importantes pour passer à autre chose, et si c'est pourtant si difficile. Quand la voix du répondeur reprend, la personne disparue est bien là, à l'autre bout du fil. Elle a beau être disparue depuis longtemps, il y a toujours cette voix. La persistance de la voix, comme la persistance de l'image, c'est un peu la persistance de la vie, en fait. C'est en ça que la mort a cessé d'être absolue. Parce que l'image, la voix, les détails, les habitudes, restent gravés quelque part, encore plus précisément que dans nos mémoires. On ne disparaît jamais vraiment. Et cette question-là est on ne peut plus actuelle, surtout quand on sait qu'en 2016, le dernier Star Wars Rogue One met à l'affiche un acteur mort depuis près de 20 ans, en greffant son visage en 3D sur celui d'un autre acteur qui jouait son rôle au tournage. Quand on sait que la science travaille elle aussi à flouter les frontières entre ce qu'est un homme et ce qui le représente, en reproduisant la manière de parler, les expressions humaines, avec l'intelligence artificielle. Que doit-on penser de cette femme qui a perdu sa fille en 2016 et à qui une société de production sud-coréenne offre la possibilité en 2020 de retrouver sa fille dans une réalité virtuelle où son image, sa voix et sa personnalité ont été reproduits le plus fidèlement possible. De même, que faut-il penser de ce projet japonais dont l'objectif est de créer un robot qui porte un masque 3D réaliste d'un proche disparu et qui imite les mimiques, les expressions et la voix du proche grâce aux données collectées lors d'un entretien avec le défunt avant sa mort. N'est-ce pas exactement ce dont parlait ce journaliste, un siècle plus tôt ? L'évolution de la qualité de l'image, couplée avec le développement de l'intelligence artificielle, pose encore ces questions. Car si la vidéo et le son reproduisent parfaitement le corps, le mouvement et la voix, l'intelligence artificielle pourrait-elle reproduire l'âme ? Le mythe de Zeuxis raconte qu'à l'Antiquité, un peintre, Parrhasius, a proposé à son rival Zeuxis un défi. Peindre une peinture la plus réaliste possible. Après plusieurs jours de travail, Zeuxis présente sa peinture à son rival. Une coupe remplie de fruits. La représentation est si réaliste que les oiseaux viennent se poser sur le tableau pour picorer les fruits. Parrhasius, son rival, présente son tableau. Zeuxis s'avance alors vers le rideau pour l'ouvrir, et il comprend alors sa défaite. En fait, il n'y a pas de rideau, il est déjà face à l'œuvre, le rideau était peint. Si Zeuxis a réussi à tromper des oiseaux, Parrhasius, lui, a trompé un homme. C'est bien ce dont parlent de très nombreux films de science-fiction de nos jours.
Et si un jour, l'homme finissait par se tromper sur l'homme? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour être informé quand je sortirai une prochaine vidéo. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'histoires que je pourrais aborder, dites-le moi en commentaire et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo.